200 étudiants, 14 entreprises qui sont présentes, 14 sujets. Et puis ensuite, les équipes se forment. Elles sont assez multidisciplinaires. Les étudiants se mixent, ils ont le choix de leur sujet. Les entreprises ont des problèmes. Elles ont l'habitude de traiter des problèmes. Elles sont dans leur cadre habituel. Ici, on prend des gens qui sont hors du cadre industriel, des étudiants, qui n'ont pas la même culture que la culture d'entreprise de cette entreprise-là, qui a été porteuse du sujet, et ils vont travailler sur ce sujet avec une vision nouvelle. Le challenge de 24 heures d'innovation, ce que je trouve assez intéressant, en fait, c'est de rentrer dans des sujets qu'on ne connaît pas vraiment, avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des gens qui viennent de milieux différents et qui ont des visions des choses différentes. Et donc, c'est très gratifiant de pouvoir participer et trouver des solutions et les présenter ensuite. Ce qu'on a amené pour les 24 heures de l'innovation, qui est un exercice de performance limité en durée, avec des jeunes qui ne se connaissent pas forcément, c'est les animations que Dave va proposer, du warm-up, des échauffements à chaque début de journée, des étirements, après avoir passé du temps effectivement courbé, voûté devant les PC et à côté des slides, pour obtenir le niveau de cohésion absolument nécessaire pour ce genre d'exercice. Ce qu'on veut, c'est créer des belles opportunités réciproques. Pour les entreprises, c'est d'avoir des bonnes propositions, des belles idées. Et pour les participants, c'est des opportunités professionnelles pour faire des stages pour plus tard ou éventuellement pour être embauché. Parce que pendant les 24 heures, les talents se révèlent. On a des pépites là, des jeunes, on les voit en équipe, ils commencent à prendre le lead sur leur équipe. Et donc, ils seront vite repérés.